lunettes, bonjour. Quand l'ignoble surgit, quand le racisme et la quasi-totalité des discriminations reconnues par la loi se déversent dans un guide publié à des centaines de milliers d'exemplaires, il est nécessaire que le citoyen lambda se mobilise, que les voix éclatent pour constituer un premier rempart face aux porteurs de haine de plus en plus décomplexés. Si le net est un premier espace de protestation, celui de l'instantané, de l'alerte, il est aussi important que l'opposition se matérialise à l'échelle du réel, que la stupeur face à l'événement puisse engendrer des échanges, des débats, de la réalité politique. C'est ainsi qu'à l'initiative de Faustine, alias Madame Lyonnaise sur Instagram, nous nous sommes retrouvés hier soir au Cartel, bar et repère d'artistes en plein cœur de la Guillotière, pour procéder à ce qui devait être fait, la dédistribution du petit paumé. Suite à la polémique, chacun était invité à venir rendre son guide et ainsi transformer son écœurement, sa colère, en jubilation collective. Explication. Alors j'ai croisé Faustine sur les réseaux sociaux et donc tu es l'investigatrice de cet événement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon dont tu es rentrée là-dedans et comment tu es arrivée jusqu'ici ? Alors c'est assez simple, comme la plupart des Lyonnais, en fait je suis allée chercher mon petit paumé au lancement, place Bellecour. Et comme la plupart des Lyonnais, en fait je passe mon samedi soir post-lancement à checker un petit peu le petit paumé. Et en fait c'est en feuilletant tout simplement la nouvelle édition 2020 que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui me plaisaient pas trop. Et du coup j'ai laissé passer la nuit. J'ai laissé voir si dimanche il y avait des petites choses qui se disaient ou non. Il y en avait, mais pas beaucoup. Du coup, j'ai décidé, moi, via mon propre réseau social, notamment Instagram, de publier notamment tout ce qui m'avait déplu et de le mettre en avant pour voilà, faire un petit peu remonter certaines choses qui m'ont paru scandaleuses. Ouais, tout ce qui m'a paru scandaleux, tous les propos qui, en mon sens, et je pense en le sens de beaucoup de gens, sont pour la plupart racistes, sont énormément sexistes, parce qu'il faut le dire aussi, handiphobes. Et du coup, j'avais vraiment ce besoin d'en parler. Il s'avère que ça a plutôt bien marché, parce que j'ai eu énormément de retours, plein de gens qui m'ont écrit, plein de gens qui ont repartagé. Et ça, c'était plutôt cool. Et du coup là aujourd'hui on se retrouve donc au Cartel, à Lyon, rue de l'Épée, pour parler un petit peu de tout ça et organiser ce que nous on a décidé d'appeler la dédistribution du petit paumé, c'est-à-dire donner l'opportunité en fait aux Lyonnais et aux Lyonnaises de ramener leur petit paumé s'ils le souhaitent, soit celui de cette année, soit celui d'une autre année, peu importe, de discuter ensemble en toute bienveillance, en toute tolérance et voilà, d'échanger tout simplement. Et comment c'est tombé ici ? Comment on s'est retrouvé ici du coup ? Est-ce que tu les connaissais déjà ? Alors pas spécialement. En fait, il s'avère que du coup, Marie, une des filles qui tient en fait le Cartel, a beaucoup réagi à mes stories. Et en fait, en échangeant avec plusieurs de mes abonnés, j'ai décidé en fait d'organiser un petit événement. Et pour ce faire, en fait, j'ai contacté différents lieux et le Cartel est un des lieux qui m'a répondu très très rapidement. Et du coup, en quelques jours, en fait, on a mis en place un event directement ici dans les locaux du Cartel. Ouais, ça m'a bien plu et puis on a pas mal échangé sur Internet. Yes! Et c'est là où du coup, toi et moi, on a pu un petit peu échanger, faire connaissance. Et ça, c'était cool parce que en fait, ça donne une dimension un peu différente où il y a des gens aussi qui donnent un peu plus de relief à la polémique. Et ça, c'est cool parce que c'est vrai qu'on a été nombreux à en parler. Il y a des choses qui n'ont pas été dites ou qui sont très vite passées à l'as. Et du coup aussi, c'est ça qui est sympa malgré tout. Toute la polémique, c'est qu'on peut échanger entre nous, entre gens de réseau, etc. Et discuter un petit peu et partager en fait cet avis commun qui est que ben, le petit paumé cette année, malheureusement, ils ont dépassé une ligne qu'il fallait pas trop. Quoi. Et est-ce que tu penses que c'est symptomatique d'autre chose, tant au point de vue lyonnais que national ? Ouais, je pense. Après, de toute façon, c'est toujours très problématique parce qu'actuellement, de toute façon, on le voit, il n'y a pas que cette polémique locale qui est propre à Lyon et au petit paumé. On le voit tout autour, de toute façon, dès qu'il s'agit de racisme, dès qu'il s'agit de sexisme. Moi, personnellement, qui suis très engagée pour la lutte des femmes, etc.,
bah, c'est compliqué en fait, parce que c'est toujours la politique de l'autruche, où il y a des choses qui n'aboutissent pas, où on n'en entend pas assez parler. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est un peu le sentiment que j'ai, c'est qu'on n'en a pas assez parlé. On a fait beaucoup de bruit à l'issue du lancement, mais après, on n'en a pas assez parlé. Et c'est aussi l'objet de cet événement aujourd'hui, en fait, c'est de donner un petit peu la parole aux gens, et pas que sur le petit paumé, c'est la parole en général sur une situation, sur une société, et voilà. Mon ressentiment sur le petit paumé 2020, ça va être un peu le même que tout le monde, bien évidemment. Je le trouve aussi bien sexiste, raciste, handiphobe, hein, comme d'autres personnes ont pu le dire. Mais ce qui me choque le plus au final, c'est que donc moi je suis lyonnais depuis bientôt une dizaine d'années, et que le petit paumé a toujours été une source de documentation, hein, qui m'a permis de découvrir de nouveaux lieux, sans avoir trop d'a priori. Et c'est vrai que cette année, on le retrouve pas du tout. On n'a aucune information, hein. On pourrait prendre n'importe quel exemple. On n'a jamais vraiment le contenu d'un bar, ce qu'il propose, l'ambiance. Et du coup, c'est l'une des choses que je regrette énormément. Outre le fait, bien évidemment, que tous ces propos sexistes, racistes, bien évidemment. Donc je disais, en fait, ce qui est hyper cool, c'est que du coup, il y a des lieux à Lyon qui sont rattachés un petit peu à cette cause, parce que c'est pas ma cause, hein, c'est la cause de plein de gens, notamment le cartel, qui ne fait pas partie, à proprement parler, des critiques négatives du petit paumé, mais qui, en fait, s'est attaché à la polémique qu'il y avait autour, et décide lui aussi de défendre un petit peu sa façon de penser. Et je trouve que c'est hyper symbolique, en fait, qu'un lieu... un petit lieu comme ça, enfin qui n'est pas si petit que ça, mais qui nous accueille en toute bienveillance, et ça c'est vraiment cool. Voilà la définition d'un lieu de vie, le rôle fédérateur du bar, du café, le point de rencontre des avis, des créativités, l'indispensable vivier des résistances, de la circulation d'une vraie politique, celle émise par la population, de bouche à oreille, les yeux dans les yeux. Alors donc, ce que je voulais savoir, c'est comment on en est arrivé à avoir cet événement ici. Je sais que Faustine a été un peu l'initiatrice, mais pourquoi vous l'avez accepté et comment elle est venue jusqu'à vous, en fait ? En fait, tout simplement, nous, on est très présents sur Instagram, et on a été, dès le début de la polémique, dès que le scandale est sorti, en fait, dès que le petit paumé est sorti, on a été horrifiés par leurs propos, et du coup, on a tout de suite relayé la story de Faustine, en fait, par hasard, on la connaissait pas. Et je crois que ça s'est fait comme ça, et que du coup, après, elle nous a contactés, on a discuté de ça, sans idée d'événement au début derrière la tête. Et puis après, elle a voulu, faire un événement là-dessus, dire bon bah ok, en fait on va faire une distribution, on va acter le truc, on va s'arrêter là-dessus, on va pas juste laisser passer l'info et arrêter d'en parler. Et du coup ouais, c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Elle nous a proposé le fait de faire un événement, on a dit bah ouais grave, on est trop chaud, et du coup ça s'est fait. D'accord. Est-ce que le cartel s'inscrit comme ça dans une lutte ou dans une opposition à des événements qui pourraient arriver comme celui du petit paumé? Eh ben, normalement, nous, on tient vraiment à pas vraiment se politiser, à être très, très neutre et juste à agir avec le bon sens, avec notre cœur tout le temps. Mais là, c'était juste une évidence pour nous. L'influence d'aujourd'hui, elle doit pas ressembler à ça. Et du coup, on voulait vraiment, faire cet événement, ça nous tenait beaucoup à cœur. Après, au quotidien, on est très engagés, que ce soit au niveau solidarité, féminisme, éco-responsable, réduction des déchets au maximum, etc. Et du coup, on fait pas mal d'événements au sens pas mal engagé. Et comment vous décririez la guillotière, alors, pour vous, la guillotière ? La guillotière, c'est un melting pot génial et fascinant et bouillonnant d'idées, de vie, de culture. Je connais pas encore tout de la guillotière, parce que j'ai beau être lyonnaise d'origine, on peut jamais connaître entièrement un quartier, parce qu'il s'y passe énormément de choses et que ça évolue tout le temps. Je vois des bars à cocktails, des assos, des trucs qui s'implantent et qui ouvrent tous les jours. Mais la guillotière, c'est un quartier génial, puis c'est un petit îlot encore en train de bouger, en train d'évoluer, en plein centre de Lyon. Moi, je trouve que c'est un lieu, c'est un quartier qui est juste top. C'est trop bien. Nous, dans notre quartier, on a vraiment beaucoup de liens avec tout le voisinage. On fait plein de trucs. Par exemple, on accueille, nous, pendant le ramadan, le dîner du ramadan, tous les mardis soirs, qu'on offre à tous les gens du quartier.
On fait plein d'activités, enfin plein de, on a fait des cours de peinture, on en faisait à l'époque de la taverne, on en fait encore maintenant, enfin on fait plein de choses vraiment, vraiment intéressantes avec le quartier. Alors évidemment, la polémique a fait son feu de paille. Si la presse régionale a publié, les médias nationaux sont restés quasiment muets. Et j'imagine que les protagonistes comptent sur la rapidité du temps médiatique pour noyer leur infect poisson. J'espère, quant à moi, qu'une ou deux associations sauront les faire mentir. En attendant, merci au cartel, à Madame Lyonnaise pour cette soirée d'implication et d'échange. Merci à vous de suivre cette chronique artisanale d'un autodidacte en carton. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner. À très bientôt.